Salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve sur GTA en ligne. Donc on a un max de monde pour une grosse activité insurgent versus Rocket, bien sûr. J'ai pas mis le micro parce que ça part en cacahuète, ça crie de partout et tout. Et du coup voilà. Donc ça a changé en fait. D'habitude on fait ça avec des, je sais pas, vous voyez des conteneurs là un peu. C'est pas des conteneurs maintenant, c'est des palettes. Vous allez voir, c'est mieux. On a essayé avant, c'est mieux. Donc bien sûr c'est moins haut que d'habitude avec les palettes. Mais c'est mieux. Par contre c'est plus petit, regardez. Donc comme d'habitude je fais des captures d'écran et je les mettrai sur Facebook ou Instagram. Comme d'habitude. Mais vous allez voir, quand ils vont avec la voiture, ça va péter de partout et tout. Et c'est vraiment kiffant en fait. Parce que c'est. Du coup c'est plus petit. Et on voit pas. Regardez, hop. Dès que ça pète, ça fait ça. Donc c'est vraiment chaud, on a une chance vraiment de mourir. Et c'est vraiment le bordel de partout. Ça se pète de partout et c'est le largement le bordel. J'espère que ça va vous plaire le genre de vidéo. Donc du coup je suis avec ma team, donc Yuzi, Capitaine et un abonné, donc Alexis. Et après la team en face, l'équipe en face c'est la team que j'ai déjà joué avec. Ah, bah du coup, on a, dans notre côté, on a Luffy. On a Doudou. Et le reste, en principe, c'est. Ah non, Capitaine, du coup, il est pas avec moi. Je viens de regarder, désolé. Voilà, il est trop long. Du coup, l'autre, il est mort. Je me suis protégé. Donc, je regarderai après la liste pour voir qui est avec qui. Parce que du coup, on voit pas grand-chose. On voit pas grand-chose. Je sais pas qui est avec qui. Mais voilà, en fait, je suis dans. On a un petit mélange à la base. Du coup, je suis pas avec la team. Ouais, c'est vraiment un gros bordel. Non, je suis tombé. Ouais, faut les douter, j'ai glissé en même temps. Donc, j'avais déjà fait une vidéo avec eux. Avec Luffy, Doudou et tout. Donc, grosse dédicace à vous, les gars. Quand même. Donc. Ça va être bon. Donc personne ne sait que je fais une vidéo, c'est pour ça que j'ai pas mis mon micro, parce que comme ça part en cacahuète un peu partout, j'ai pas mis mon micro. Mais c'est assez fun, voilà, c'est une bonne petite vidéo. La prochaine fois, je mettrai avec mon micro avec tout le monde. Mais comme ça, ça part en cacahuète, tout le monde parle de tous les sens, donc du coup voilà, j'ai pas pu mettre le micro, je préfère pas. Mais la prochaine fois, je mettrai le micro avec tout le monde. Comme ça, on pourra entendre tout le monde et tout. Les abonnés, le côté de la team et tout. Le team. Après, il y a du monde qui a rejoint, on ne connaît pas du tout. Mais il y a peu importe du monde que je. Des personnes qui est là que je connais. Donc. Voilà, ça change un peu, bien sûr. Voilà, c'est chaud avec les palettes du coup, parce que ça se casse facilement. Et c'est sûr, c'est. Plus facile avec les palettes que les conteneurs, c'est tout logique, mais voilà. C'est simple en fait, on a juste à casser les palettes et ça se casse facilement, tout simplement. Ah, il passe à côté. Ah, bien joué. Ah, c'est vraiment chaud parce que ça doit vraiment faire peur. Vu qu'il y a les palettes qui se cassent et tout, ça doit vraiment faire peur. Wow, il reste pas grand chose. Là, s'il passe au milieu, ça explose. Donc, ça sera vraiment chaud quand même. Non, sérieusement, donc ça sera vraiment chaud. Ah, ah, il faut les douter. Ah, il l'a tué, il faut les douter. De toute façon, il faut les mieux qu'ils se fassent écraser ou qu'ils meurent en tombant tout seul. Voilà, je kiffe un peu les activités comme ça on est tous ensemble tranquillement. Et oui, je vous promets, la prochaine fois, on met
On va mettre le micro. Parce que du coup, ça se fait pas, personne n'est au courant. Mais c'est pas grave. Donc, du coup, nous, on va être en voiture. Donc, celle-là, je la mettrai dans les favoris si vous voulez la faire. Pour les personnes qui connaissent pas encore avec la palette. Parce que c'est vrai, la plupart du temps, elle est connue. Cette activité-là, juste avec les conteneurs. Mais là, du coup, c'est que les palettes. Non, il voulait piquer mon véhicule. Non, 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 je suis dedans. Partez. C'est mon véhicule, vous avez pas le droit de piquer. Vous abusez, les gars. Là, par contre, on va s'amuser parce que faut bien tomber au milieu. Et genre, dès qu'on tombe au milieu, on lève le cul du véhicule ou un truc comme ça. Et on tombe bien dessus. Voilà. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Oui. Voilà, j'ai tout détruit comme ça, j'en ai fait exprès. En faisant tout le monde s'entend de se tuer là. Non, arrête! Tu pousses, mec. Par contre, il faut que je change de véhicule, sinon je vais mourir. Hop, on descend, tranquille. On change, on remonte. Voilà, comme ça on est trop bien. Par contre, maintenant on peut plus tricher. Avant, on pouvait descendre du bâtiment ou monter sur le toit pour sauter, pour avoir les bazookas. Maintenant, on peut plus, ils ont rajouté des murs en plus. Oh, il y en a un qui s'est tué en plus. Et il reste plus qu'un, je crois. À 3. Ah, du coup, maintenant on a plus besoin de prendre un max d'élan, c'est cool. Par contre, ça fait drôle parce que tu vois les véhicules de loin tomber bizarrement. Ah, bien joué, il l'a écrasé. Ah non, même pas. Ah, bah là, il s'est fait prendre un sandwich. Ah, il est pas tombé. La chance. Par contre, c'est le bordel, il y a trop de monde dans la partie. C'est sûr, c'est cool, mais il y a trop de monde. Je vais faire tomber celui-là de droite. Si je peux. Ah mince, dommage. J'ai roulé un peu sur le mur, j'aurais dû le faire tomber. Ah, c'est vraiment chaud parce qu'il y a vraiment un maximum. Oh, c'est bon, il s'est fait écraser. Oh, genre, j'ai participé à une activité. Un meurtre. Ah, oh, il est pas tombé. Non, non. Oh, merci. C'est le bordel, il doit stresser quand même là-haut. Il doit bien stresser quand même parce que c'est ouais, ça fait peur. Tu sais pas du coup si tu vas tomber ou pas. Du coup, tout le monde va dessus pour le faire tomber, c'est drôle. Il doit avoir vraiment avoir peur. Moi, je pense que j'aurais fait la même. Un truc comme ça, t'es vite de bouger en fait. Oh, c'est le bordel, il y a trop de monde. Et du coup, là, on n'a pas besoin de trop changer de véhicule, ça va. Et encore, il y a trop de monde, oui. Oh, l'autre, par contre, il n'y a plus rien devant lui. S'il tombe, c'est chaud. Par contre, j'aimerais bien que tu te retournes, mec. Ah, il va me détruire, moi. Ah, encore une balle et j'explose. Mais je suis un fou, j'y vais quand même, même si je meurs, c'est pas grave. De toute façon, il est tout seul. Et dans tous les cas, il risque de mourir. En palette, il a plus rien. Pratiquement. Et là, par contre, ça va être chaud parce qu'il est vraiment près du mur. Donc, pour le faire tomber, ça va être vraiment chaud. Faut prendre moins d'élan. C'est sûr. Mais c'est vraiment chaud. Ah, il est tombé. De toute façon, il faut les mieux qu'il tombe. Ouais, bien. Du coup, Luffy, il va comme ça. Je pense que tout le monde va y aller à pied. Ah, carnage. Ah, logique, c'était logique qu'il allait se faire tuer. Ah, il s'est pas fait tuer. Allez, à l'attaque. C'est magnifique, celle-là. La petite photo. Elle était belle quand même. Tout le monde était sur lui. Je crois qu'il a bien pris cher. Ah, j'en ai tué zéro. Par contre, j'ai pas vu c'était qui s'était fait tuer, mais il s'est bien fait tuer. En même temps, c'est sûr. Tout seul contre 5 mecs, on va dire entre 5 et 10 mecs, on peut trop rien faire. Ça, c'est sûr.
C'est comme si t'es dans la rue, t'es tout seul contre 20 mecs, tu peux rien faire. Là, le mec, c'est pareil, il était tout seul. Bon, bien sûr, il avait une machette, mais il pouvait rien faire. Je pense que je vais me mettre pareil sur les côtés du mur. Donc voilà, la plage derrière. Par contre, ici, ça va, tout le monde va se pousser. Le mieux, c'est de leur faire peur. Voilà, moi, je reste comme ça. Mais du coup, ça tire. Pousse-toi, toi. Je sais pas c'était qui, j'ai pas vu. Voilà, on reste tranquillement par ici. Ah, il y a un qui est tombé, je crois. Voilà. Ouais, je l'ai eu. J'ai trop peur, c'est genre le véhicule explose sur les trucs et ça fait exploser les conteneurs en même temps. Non, qui a quitté, capitaine. Du coup, ça fait vraiment peur. Je sais pas si on peut rester là-haut avec les véhicules, du coup. Ah ouais. Ah, mais on risque de tout détruire alors là, c'est sûr. C'est vraiment le bordel, les gars, j'ai envie de vous dire. Ça reste le gros bordel. Du coup, il y en a un qui est en bas là. Je sais pas où il est, mais je sais pas c'est qui déjà. Wouah, il est tombé à côté. Il a vraiment beaucoup de chance s'il est resté en bas, le mec. Je crois que c'est Yuzi, je suis pas sûr. Oh, je l'ai tué. Là, par contre, ça explose bien sur les côtés, mais ça fait peur. Comme je vous le disais tous, ça fait vraiment peur. Ah merde, je pensais l'avoir. Merde, j'ai mal lancé. Oh, bien joué. C'est bien, il est détruit à côté. Oh, la chance. Par contre, ça fait vraiment peur parce que je suis vraiment tout seul du coup. Tout seul, non, il y a Luffy en face. Mais ça fait vraiment peur quand même parce que. J'avais bien voulu l'avoir comme ça. Ah non, 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 non. Je regarde pas. Voilà. Oh putain. T'imagines un peu qu'on peut tenir sur une palette, ça peut faire peur. Le mec a créé ça, je lui dis vraiment GG parce que c'est vraiment assez cool. Oh là, j'en ai détruit encore un. Ah, c'est bien, on détruit tout le monde, là, on est 2 contre 3. Ah, bien! Du coup, c'est quitte un peu. Et je suis à la fin pour sauter, elle est en face, dès qu'on a tué l'autre. Ok, là-bas, le dernier, c'est Royal, je connais pas. Dès qu'on l'a tué, on va essayer de. Un maximum le. D'aller en face, pour voir. Voilà. Ah, c'est cool en fait parce que plus qu'on est plus bas, donc on peut sauter facilement. Et les personnes qui trichent en dessous, on peut les voir facilement. Donc c'est mieux. Je préfère cette activité-là qu'avec les conteneurs. Bien sûr, ça vaut pas les conteneurs. Mais là, c'est mieux en fait parce que si on voit la personne qui triche, qui reste en dessous, qui sort du véhicule ou qui reste esprit en dessous pour qu'on meure ou un truc comme ça pour qu'on tombe ou qu'on tire en explosant en même temps, là du coup, on n'a pas besoin parce que. Les palettes se détruisent donc du coup on le voit en soi, on sait très bien que le mec il est en train de tricher et là on tire en plein avec le bazooka. Je trouve ça vraiment cool. GG au créateur quand même. Parce que c'est vraiment pas facile et c'est une bonne idée de mettre des palettes. Ça change. Pourquoi pas. Moi je dis vraiment GG. Mettez une petite note quand même pour savoir combien ça vaut pour vous les palettes contre les conteneurs. Vous préférez plus le conteneur ou les palettes? Les palettes. Après à vous de dire dans les commentaires si vous préférez les palettes ou les conteneurs. Moi je trouve c'est le mieux c'est les palettes. Les conteneurs c'est tout le temps pareil, c'est tout le temps on retrouve partout. Que là les palettes c'est vraiment rare.
Et tout à l'heure, comme on parlait un peu avec Alexis, je disais, je pense pas que ça pouvait se détruire. Il me dit oui. Et en fait, oui, ça se détruit bien, donc c'est confirmé. Ah merde, j'ai pas pris assez d'élan. Dommage. Du coup, ils sont moins. Ah, je suis au niveau de 100. Ouais, il y en a un qui s'est fait déjà écraser. Oh, Luffy, t'abuses. T'abuses. En principe, j'en ai touché un là. Désolé, mec. Non, j'ai cru que je l'avais tué. Oh, l'autre, il est passé en même temps, il a explosé. Il y a déjà des morts chez eux, ils sont deux. Level 25, level 365. Ils sont tous les deux au même endroit. Bah ouais, mais non, c'est logique. Ah, je l'ai écrasé à la base. Je l'ai pas écrasé. Ah, il est mort. Alors, on sait pas qui c'est qui l'a tué. On va voir si j'en ai tué un ou pas. Et parce que ça se faisait pas, l'autre il s'est mis au même endroit en fait. Il a dû se traverser en face et se mettre le côté. Séparé. Là, j'en ai tué un quand même. Après bien sûr, voilà, c'est le mec qui est un peu merdé, on va dire, entre les guillemets. Attendez, je regarde. Ah, ok, ça. Je regardais juste s'il y avait qui dans le groupe, parce que comme j'ai posé le micro à côté, j'ai coupé le son, donc du coup, je vois pas qui c'est qui était là. Il a dû se déplacer, le mec. Logiquement, t'es mieux à se déplacer que à rester. Bon, en principe, là, je crois que c'est la dernière manche. On gagne, de toute façon. 5. Ah, on est au flingue. Ah, ça, j'adore, je suis fort. Si je meurs pas. En fait, comme on n'a pas beaucoup d'espace, ça fait peur. Parce que. Bon, là, il n'y a plus rien. J'en ai eu un quand même, mais bon, pas grand-chose. Luffy, il n'en a pas eu. Du coup, il s'énerve un peu. Mais là, on va s'amuser au flingue. Ah, ça, j'adore. Au flingue, j'adore. Ah, du coup, il part trop, c'est chiant. Voilà, je vous ai dit, je suis fort en flingue. Ah, c'est bon, il est mort. D'accord, j'ai pas vu. Moi, j'étais en train de tirer dessus encore. Non, il est tombé. Merde, j'espère que c'est pas moi qui l'ai poussé. Merde, désolé, Luffy. J'espère que c'est pas moi qui t'a poussé, mec. Mais vraiment, désolé. Ah putain, je m'en veux si c'est moi qui l'ai poussé. J'ai pas tiré tous les balles. Ah, ils sont 3-2 déjà en bas. Après, c'est peut-être quand il s'est mis dans le coin, il est tombé. Purée. Poussez-vous. Bon, il y en a un qui s'est tué encore. Ah, il s'est fait tuer aussi. On a gagné. Ouf. La colonne vertébrale qui a pris cher à le cul des fesses. C'est la fin ou pas? Ok. Vainqueur. Ah, c'est bon, on a gagné. Donc j'espère que cette activité vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit j'aime. Moi je vous dis à très vite et ciao, bye bye. Salut tout le monde!